Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je reviens avec un petit ensemble de tampons, de dyes et de pochoirs de chez Globeland sur le thème du café. Et donc, on va faire une carte avec cet ensemble-là. Alors, bien sûr, moi qui adore les pochoirs, ben, j'ai que l'embarras du choix. Vraiment, vous pouvez vous en servir même pour faire du mix média parce que vous avez des méga grosses taches de café. Je vais quand même utiliser le petit rectangle grain de café qui est ici, que je vais mettre en fond. Et ensuite, j'ai préparé déjà mes découpes. J'ai fait des petites découpes avec les dies. Donc il y avait des cœurs, mais en fait c'est le pourtour des cœurs, mais j'ai quand même gardé les cœurs à l'intérieur. Et ici, on a la tasse. J'ai fait les volutes en blanc, mais je vais peut-être les casser avec du marron, je vais voir. Mais voilà, mais même là, je pense que je vais y mettre un petit peu de rose pour adoucir un peu les angles. Mais ce qu'on va faire en premier, c'est que je vais prendre une base de carte, enfin pour le matage, et je vais mettre des grains de café avec la brosse. Là, je vais prendre chamotte cuivrée, que j'utilise pas beaucoup. D'ailleurs, je crois que je ne l'ai jamais utilisée, celle-là. Je vais voir un peu ce que ça donne. C'est très foncé, à mon avis. Ça fait plus cuivré que chocolat, mais c'est pas bien grave. Essayez de pas trop dépasser. J'aurais dû mettre vous pouvez mettre du masking tape pour pas trop dépasser. Il y a des endroits qui vont être vraiment très foncés, mais c'est pas grave. Après, je vais y mettre ma tasse par-dessus. Et voilà, mais ça fait un joli ensemble quand même. Je vais en mettre par ici aussi. Même si c'est plus cuivré que chocolat. Mais bon, vu que c'est du café. Hop. Et je vais en mettre aussi par ici. Et voilà ce que ça peut donner. Je vous montre d'un peu plus près. Je trouve ça assez sympa, ce fond grain de café. Je vais coller le matage sur la base de carte. Le plus droit possible. Voilà. Je fais attention parce que l'encre n'est pas encore tout à fait sèche. Je vais mettre aussi l'intérieur tant que j'y suis. Comme ça, ça sera fait. Je vais en profiter pour mettre quelque chose. Je vais mettre celle-ci, elle me paraît bien, sur l'intérieur de la carte. Je vais y mettre du brune dune. Comme ceci, oh, il est trop beau. J'adore les taches de café. Hop, je vais la remettre. Ici, donc l'intérieur est fait. Là, on va. Alors, je voulais rajouter avec les doigts éponge. Je vais y mettre. Je vais sortir les dies. Je voulais adoucir un peu ma tasse de café et rajouter un petit peu de relief aussi au niveau des volutes. Je sais pas comment on peut appeler, de la fumée du café. Alors, déjà, je vais commencer par la tasse. Et j'aime bien rajouter un peu de couleur sur les bords comme ça. Ça fait un petit peu aspect relief. Enfin, j'aime bien. Ça donne un petit peu de volume.
J'ai vu qu'il y avait des scrappeuses quand même qui le faisaient régulièrement. Parce que, et c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve qui rajoute un petit côté volume. On va essayer hop, de faire à l'intérieur ici aussi. Ça fait un peu ressortir. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est par exemple découper. Je vais peut-être découper un petit papier pour que on puisse voir mieux. Alors, je vais coller. Je vais même le coller peut-être de travers, histoire de faire quelque chose de rigolo. On va y coller. Alors, j'y mettrai bien de la mousse 3D. On va mettre un petit peu. Ceci, mais je vais mettre une double couche parce que celui-ci, c'est un rouleau que j'ai depuis très longtemps, mais il est très fin et j'ai vraiment envie d'y mettre du relief. Alors, on va le mettre par ici. Je vais mettre le coffee, je pense que je vais le mettre par ici, mais là, je vais le coller et je voulais avant rajouter. Je vais peut-être aussi rajouter les cœurs. On va jouer avec l'intérieur en fait des découpes. Je vais garder cette découpe pour plus tard, c'est pas bien grave. Donc là, je vais faire mes cœurs comme ceci. Ça peut faire une petite carte pour la Saint-Valentin aussi. En même temps, le café, c'est polyvalent, ça peut servir pour beaucoup d'occasions. Pour un anniversaire, il suffit juste de changer les couleurs et le fond en mettant par exemple un pochoir avec des ballons, par exemple. Et voilà quoi. Le tour est joué. On va faire comme ça. Donc ça, je garde. Je voudrais mettre en brune d'une. Donc je vais ranger le rose. Je pense que pour l'instant, c'est bon. Je n'en ai plus besoin et en brune d'une, je vais coloriser un peu les petites volutes qui sont comme ça. C'est tout petit, mais on va pas y arriver sans s'en mettre trop sur les doigts pour refaire comme si c'était comme avec du café, mais faut que ce soit pas trop blanc en fait. C'est ma petite astuce. Puis il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup pour que ça tranche sur le blanc. Hop, la dernière. Elle est à l'envers. Attendez. Non, c'est bon. Je n'ai plus l'envers de l'endroit, mais c'est bon. Je crois que je les ai tous faits. Vous voyez, il n'y a même pas besoin forcément d'avoir un set de tampons avec des matrices de découpe et le pochoir. On peut facilement réaliser notre petite carte. Là, je vais peut-être mettre le. Celle-ci en premier qui sera sous le mon café. Alors, mon astuce qui est beaucoup mieux, c'est de faire ça et de prendre un peu de colle. Pour pas que ça déborde. On va mettre plus par là. Mais même en faisant ça, j'en ai trop. Voilà. Et je vais mettre les autres pareil. Donc je vais prendre sur ma main.
On va changer l'orientation. Du coup, les cœurs, je ne sais pas si je vais les mettre. Ou alors, je vais peut-être en mettre un ou deux sur la tasse. Et là, je vais faire le coffee, pareil. Alors, comme c'est du noir, les traits accordéon, entre guillemets. Je vais essayer de prendre de la colle au fur et à mesure. Comme ça, moi, j'en aurai plus sur la peau. C'est très bien. Et on va le coller par-dessus. Je vais y mettre un, hop, le bloc et appuyer avec. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les cœurs sur la tasse. Je vais en mettre un comme ça fera comme si c'était du volume. Et ensuite, je vais mettre les autres. Alors, celui qui est entier, je vais le mettre par ici. Celui-ci, je vais le mettre un peu comme ça, comme s'il était caché par la tasse. Et voilà, une carte de réaliser avec le pochoir. Et là, j'ai pris vraiment quelque chose de très très simple. Le pochoir, les matrices de découpe et à l'intérieur, j'ai mis une petite marque de café pour faire rentrer dans l'ambiance du café. Donc voilà un exemple de carte avec ce set qui comprend donc les matrices de découpe. Et il y en a pas mal parce qu'en fait, vous avez la version, bon, vous avez toutes les volutes ici. Vous avez la grande volute qui est ici. Vous avez le coffee. Et les cœurs, bien sûr, donc vous pouvez prendre soit la partie évidée, soit ce qui me reste ici, le pourtour. Et ensuite, vous avez deux types de tasses. Vous avez une petite tasse et une grosse. Donc souvent, moi, là, j'avais pris la grosse, mais vous pouvez prendre la plus petite si vous le souhaitez. Si vous voulez faire une par-dessus l'autre, c'est possible aussi. Bon, le pochoir, ben, je l'ai mis à laver. Et après, vous avez le set de tampons assorti avec le petit coffee qu'on aurait pu tamponner. Et après, vous avez plein de tasses, de mugs et de d'éclaboussures. Et ça, j'adore. Et c'est vraiment pas mal si vous faites du mix média, de l'art journal pour faire, ben, pourquoi pas, un thème café avec. C'est vraiment possible. Et pour vous inspirer pour vos créations, si vous avez ce set de tampons ou même un autre set de tampons avec sur le thème du café, ben voilà ce que vous pouvez faire même avec d'autres choses que ce que j'ai sous la main. Mais même une tasse rose, vous voyez, ça passe. Et les volutes, vous pouvez donc rehausser le blanc en mettant avec le doigt éponge de l'encre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et pourra vous inspirer. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!